Salut à toutes et à toutes. On se retrouve aujourd'hui avec Samir Bachar qui finit deuxième Là. place à l'Europe. Voilà. Je suis dégoûté. Entre guillemets, malheureusement, il aurait bien aimé faire le doublé, ça aurait été le premier à le faire. En Voilà. vrai, les Trop doubles fort. champions d'Europe. Samir Bachar, double champion d'Europe. Je Pourrais pas le faire malheureusement, Dieu, Pierre Pradel. Bon, que jouais-tu, Samir? Jouais Salam en Grèce. J'avais un peu axé ma version sur le fait de lose dice roll. Et aussi, j'ai beaucoup analysé les faiblesses principales du deck. En fait, les vraies faiblesses du jeu, c'est que le deck, il avait des mains pas assez défensives. Et offensivement, il était limité dans le sens, il comptait sur des plays précis. Alors que le deck, il a tout à fait la possibilité d'avoir de la défense plus facile avec une méthode bien plus standard, jouer plus de pièges. Et pour le côté offensif, c'est juste en maximisant l'engine qu'on peut avoir le côté plus offensif. Mais je vais vous expliquer en détail en montrant mon deck. D'accord, donc on va passer à la liste. Je joue 3 buffs. Ça contribue à l'explosivité des mains. En fait, le buff n'augmente pas trop la stabilité, mais permet de toucher les grosses cartes plus facilement et aussi de finir avec une backrow bien plus défensive. Exemple, une main où t'as pas gazelle, où tu peux avoir gazelle, où tu peux tout simplement avoir plus de pièges facilement et donc temporiser pour gagner même sans gazelle sur tout un duel. Bon, 3 gazelles, hein. Je vais pas détailler pourquoi. Pour le boule, x3, c'est parce que j'ai 3 buffs, 3 foxy. Un jaguar, un falco, un fall. Le mythe tu bannis jaguar avec pot des désirs, c'est totalement faux. Faut en jouer que un. Sinon, vous n'êtes pas incroyable du pot des désirs. Joue 3 H. Franchement, c'est pas la meilleure entrape en réalité de ce format. Mais elle se recycle à tous les tours. Et ça, c'est intéressant. Du coup, c'est la raison pour laquelle je la joue x3. Fantasmé. Ah oui, H, on la joue aussi pour counter Fantasmé. Qui, elle, pour le coup, est vraiment puissante en mirror match et contre la majorité des match-up. Fantasmé, son plus gros avantage dans Salamangred, c'est que vraiment elle permet de proc Sunlight Wolf durant le tour des deux joueurs et de moduler ta main ou de te transformer Bas le Lynx en CA plus un net. Et aussi, il permet d'éviter 2 étoiles, d'éviter d'être ciblé versus SS, c'est très fort. Enfin, ça a toujours vraiment tout le méta, je trouve. Et ça permet versus Thunder d'avoir le double entrap ou de moduler tes cartes à tuto de Ogre Fantôme. Ça, pour le coup, c'est assez ciblé, c'est pour le méta call. Thunder et SS, c'est la entrape mainable entre guillemets la plus forte contre Thunder, je pense, j'estime, parce qu'elle bloque l'un des gardes dragons. Et versus SS, ça bloque multi-roll, c'est le seul play que ça bloque, mais ça bloque le meilleur play de SS. Et versus Salamangreat, étonnamment, c'est pas nul parce que ça bloque les OTK. Mais en soi, vous la décidez quand même, mais ça sert à bloquer genre Sunlight Wolf ou Violette Chimera qui n'a plus balle. Ou transcode. Ou transcode. Oui, transcode dans la plupart. Surtout transcode, mais il n'est pas joué, sauf par les Français. Et je joue une Ghost Bell, je la joue x1, c'est pour le deck en fait. J'avais monté une version qui creuse beaucoup, donc une carte x1, tu la touches assez régulièrement. Et ça sert à bloquer Cold by the Grave, Shark Cannon, et le Mirror Salam, ça touche absolument toutes ces cartes. En fait, c'est plus pour protéger tes plays offensifs que de te servir comme carte défensive. Et versus le match Orcus, par contre, c'est une vraie entrape défensive. Voilà pour résumer un peu la Ghost Bell. Je joue 2 Sainé, je joue pas 3 parce qu'elle est quand même étrange la carte. Et vu que le deck creuse beaucoup, les Hard One Off, les Hard One Spartan, on peut pas les utiliser, on les touche très facilement. Quand, dès lors que tu les joues x2. Et c'est pour la stabilité du deck tout simplement. Et aussi pour Extender parce qu'on discard donc ça permet de faire gazer facilement. De volonté, pour le coup, elle est pas jouée spécialement, mais c'est vraiment la meilleure carte je trouve pour OTK, parce qu'elle permet de faire des invoques spé entre 2 et 3. Elle se prend pas des trucs comme Ghost Ogre, elle s'immunise toute seule grâce à Bas le Lynx, et elle se recycle sur Sunlight, et elle reste sur le terrain versus un match-up comme SS. C'est la carte, en soi, le premier tour de la carte, il est ok, c'est une carte lambda, ce serait comme une Monster Reborn après, mais si elle tient le tour, elle est malsaine la carte, elle devient comme multi-roll dans SS pour vous donner une idée. Je joue 2 supports pour l'immunisation de main. Je joue pas énormément d'entrapes pour une version de Salamangreat. J'en joue déjà beaucoup d'entrapes, je trouve. L'idée, c'est que vu que j'ai fait axer ma version sur le fait que ça creusait beaucoup, j'ai voulu jouer une carte qui me permettait de vraiment retourner les terrains comme ça. Je creuse mon deck pour remonter le board. Et au-delà de ça, là où elle est très intéressante, supports pour l'immunisation, c'est qu'elle contribue au côté défensif du deck pour avoir les plays défensifs, même si je suis premier. Car comme j'ai dit, l'un des soucis du deck, c'est qu'il est pas assez défensif, de base, en réalité. Je joue 3 cercles, détaille pas, en train de cuire, détaille pas. Pot des désirs, la meilleure carte de Yu-Gi-Oh! Du coup, je vais pas la détailler. Alors du coup,
Tu joues pas Fusion de Feu dans ton main deck? Ah oui, c'est vrai. Alors pourquoi? Je joue pas Fusion de Feu parce que j'estime que Fusion de Feu, c'est une carte en réalité en miroir qu'on veut hard draw, c'est-à-dire ou par Foxy ou en draw, et qu'on va jamais la foolish arrêter par Gazelle, sauf si t'es déjà dans une situation de win. Et si tu mains le niveau 3 Salamangreat, tu joues une brique en plus. Et l'autre raison, c'est comme j'ai expliqué, le deck, défensivement, il est en soi, en fait, les versions actuelles, elles sont moyennes défensivement. Elles sont même mauvaises, j'ai envie de dire. Parce qu'elles sont tributaires de Gazelle, pour être défensives. Alors que Fusion Fire, ça va juste contribuer à une carte qui n'est pas défensive, mais offensive, et donc pas contribuer à tes start cartes, alors que t'as des cartes plus fortes en second, comme Super Polymerisation. Et vu que j'ai dit qu'il faut que la hard draw, elle gagne aucun intérêt. Sauf post-sage. Je mets une ordre impériale. Croyez en ordre impérial, c'est la meilleure carte du jeu. Elle annule toutes les magies. Les magies, c'est tous les extenders de Yu-Gi-Oh! C'est un Light of Seca contre Thunder. Ça veut dire que c'est du niveau de H à peu près versus Thunder. Et versus d'autres matchs SS, ça peut auto-win sur des situations unwinables. Et versus Salamangreat, ça lui empêche tous ses extenders. Et versus Orcus, ça lui empêche aussi tous ses extenders et ça lui empêche les light stage. Ça te protège de tout win, ça te protège de trop de trucs en fait, l'order. C'est malsain. C'est une carte malsaine, donc je la joue. Vive Yu-Gi-Oh! Et je joue de rage et de rang. Ça, c'est quelque chose qu'on a conclu avec Abdou. En fait, les gens ont tendance à jouer entre 2 et 3 MP Salamangreat. Nous, on en joue 4, parce qu'en fait, la vraie open forte du deck, c'est d'avoir les deux en même temps. Et, comme j'ai dit, vu que le deck est faible défensivement, autant miser sur le fait d'avoir facilement une MP en main. Donc, on jouait plus, tout simplement. Et pourquoi avoir choisi de jouer rage et rang? C'est des cartes qui ont le nom Salamangreat. Vous allez dire, ça augmente tes chances que Foxy soit plus fort. Et surtout, même si c'est pas une brique, parce que ça pourra toujours se discarder avec Foxy si vraiment t'as besoin d'un play offensif. C'est-à-dire que c'est jamais mort, que tu sois premier ou second. Et par la suite, si tu arrives à remonter le board mais pas au TK, tu as plus d'accès facile avec Sunlake Wolf pour te protéger le tour suivant. Et en gros, si tu joues aucun PTMP de main. Ah oui, et je joue aucun PTMP de main. À part la rage, techniquement. Tout simplement parce que Mystic Mind, j'estime que si on vous place Mystic Mind et qu'il a 0 monstres, ou tu as rage, ou tu as pas. En fait, ça te diminuait trop des match-up. Encore une fois, défensivement, il y avait des jeux offensifs qui te forçaient le passage. T'avais genre des MP comme Cyclone Cosmic, Call by the Grave. En fait, ce genre de cartes, tu les touchais en main, t'étais premier. Bah, en fait, ironiquement, c'est les cartes secondes qui te font perdre. Alors qu'en second, elles augmentent même pas spécialement ton win rate. Pire call. C'est vraiment la carte la plus nulle de ce format. Parce qu'en gros, son but, c'est que t'aider à passer en premier. Alors qu'en fait, si tu joues d'une certaine manière, tes plays vont forcément passer. Bon, il faut quand même la main qui suit. Mais. Et par la suite, elle te servira à rien pour te défendre. Donc, ce sera littéralement un vrai -1. Du coup, je vais passer à mon extra deck. Ah oui, juste. Et aussi en main, c'est pas dit. En soi, il y a un faux PTMP, mais order, ça fonctionne aussi contre main. Hein. Voilà. Oui. Du coup, le joueur de flûte. Le token qui m'a jamais trahi dans toutes ces années. Merci, Abdou. Eh, Sacha! C'est la meilleure perso de SNK. Que ceux qui disent l'inverse, Chala y crève. Comme elle, malheureusement. Je veux pas spoiler. Alors dans l'extra deck, du coup, je joue 2 balles lynx. J'en joue que 2. Enfin, c'est pas lynx, c'est pas. C'est le feu lynx, pardon. C'est la. En fait, en soi, il faut la jouer x2. Dans le sens où le 3ème peut te servir éventuellement qu'en miro match sur des matchs longs. Ou pour rattraper un misplay. Ça peut sembler fou ce que je veux dire, mais. La majorité des cas où tu vas faire le 3ème ball link, c'est souvent pour proc un Sunlike Wolf, alors qu'en soi c'est juste une invoque, alors que tu aurais sûrement eu une fenêtre de timing pour proc ton Sunlike Wolf sans passer par ce ball link. C'est pour ça que je dis que qui sert uniquement à rattraper un misplay. Et aussi à proc tes Salamangreat de Gazelle immédiatement, mais en fait dès que le middle game est passé, t'as forcément Foxy pour discard pour proc la Gazelle. Je joue 3 Sunlike Wolf. J'ai osé tester à 2 au tout début, sachez-le. On m'a insulté. Du coup, j'ai retesté à 3. Mais bah, là, j'ai réussi à garder. Et bah, c'est la meilleure carte, en vrai, j'ai même pas envie de la décrire. Chaleur Léo x2. Par contre, vous êtes surpris, Chaleur Léo, j'étais très tenté de le mettre à 3. Surpris ou non, j'ai déjà joué contre quelqu'un sur DB qui en jouait 3 et je l'ai perdu sur ça, justement. En fait, c'est pourquoi le 3ème hit Léo? C'est parce qu'en fait, il t'arrive des situations où. En fait, hit Léo, il arrive genre plutôt middle game. Ouais, si, c'est ça. En fait, au moment de ce middle game, ce qui peut arriver, c'est que tu vas gérer Hitléo et en fait, c'est contre la tape SS souvent. En fait, tu auras remonté, mais pas totalement. Et l'autre, il va essayer de comeback. Et en fait, en comebackant, il va mettre son Shark Cannon. Pour éviter justement que tu recycles Chaloryo et donc que tu peux plus gérer les backrows à nouveau. Et le fait d'en jouer 3, ça te permet à nouveau de réincarner un Chaloryo qui aura tenu un tour. C'est pour ça que c'est un bon play en soi. Mais ça s'arrête là. C'est pas non plus. C'est comme une situation.
c'est une bonne situation qui arrive, mais ça s'arrête là. Et il y avait d'autres trucs qu'il faut remettre. Transcard de package. Ouais, je montre 3 cartes et pas 2 pour le transcard de package. Tout d'abord, Upte Jammer, transcard de looker, je présente pas. Par contre, la troisième carte, elle surprendra plus. Topologic Bomber. Elle m'en a fait gagner un des games pendant le tournoi. Il a fait ça Quincy, non? Oui, Quincy, c'est comme ça que j'ai 2-0. Et. En salut, moins de 20 minutes. Moins de 20 minutes. Ah, c'est pas bien, le pauvre miskin. Et en fait, le Topologic Bomber, vous êtes en situation de transcode de TK classique. Ça fait 8100, c'est très limite en réalité. C'est pour ça que les Allemands ont décidé de la cut. Et je comprends parfaitement si on joue pas le level up de l'OTK. Le level up de l'OTK, c'est qu'en fait, juste avant de faire le transcode de TK, tu aurais en gros que t'es l'équivalent de 2 monstres en plus. La situation qui arrivera le plus souvent. Aussi d'ailleurs, la raison pour laquelle je joue volonté, c'est que la volonté va t'aider à avoir ce scénario beaucoup plus facilement et beaucoup plus fréquemment. Tu places ton seul Night Wolf et tu places ton transcode. Ce transcode, il va reborn une taille. Donc ton transcode, il peut taper deux fois. Et là, on va link. Et tu fais le Topologic Bomber. Tu le fais pas contre tous les matchups parce que certains matchups peuvent te speed à zone pointée. Vous pouvez le voir dans le futur. Je le savais, j'ai tenté de win, de voler la game pour qu'il le sache pas, j'espérais. Tu t'es dit qu'il le savait peut-être pas. Fallait que je rattrape un misplay surtout. Oui, je suis nul, ouais. Je fais des misplays. Et en fait, à ce moment-là, le petit jammer, il va se proc car c'est pas une fois par tour. Et du coup, le Topologic, il tape deux fois, mais à 3005. Et pas ciblable. Et l'infiche de Magego à l'attaque d'origine. Du coup, on lui a enlevé un TK 8100, on avait un TK 12600. Et même sur deux mondes, ça veut dire que ça va OTK sous Orcus. Les situations, il y a Dinjiritsu qui protège, il meurt quand même. Tu lui enlèves tous ses points facilement. Et aussi, par défaut, même le transcode OTK, il peut se pouvoir creep en devenant Topologic qui tape deux fois à 6000, qui enlève 6000 points de vie. Il suffit qu'il ait perdu un peu de PV, ça OTK sous des monstres. Ah oui, il reste les cartes inutiles. Vous voyez là. Non, je rigole, c'est pas inutile. C'est le jeu Kunix 6-4, ça sert à rien d'en jouer deux, parce que. Quand tu es first, tu veux focus une X4 précise et le reste du temps, tu pourras pas X4 tout simplement. Ça s'arrête là. Les douleurs, c'est la meilleure actuellement. Et t'as le Mirage, j'en joue qu'un, pas deux. Parce que je me focus beaucoup sur le transcode et je trouve et je juge aussi que pendant les open, il faut au maximum éviter de passer par Étalon Mirage car c'est le play le plus dangereux. C'est le seul qui te fait un pseudo CA-1 pour gagner un CA+2. C'est pour ça que l'Étalon Mirage. Tu le fais uniquement si tu peux extender suffisamment pour finir avec le truc basique. Sunlight Wolf, récupérer gaz et un monstre et avoir une MP. Sinon, tu fais jamais Talon Mirage. Par contre, son effet complus, il est génial. Joue Ita pour le Mirror Match. Ouais, j'ai oublié une link. C'est pas grave. la Ita, elle sert pour le Mirror Match, pour placer Chaleur Léo plus facilement et pour tuto Gazelle. Bon, en vrai, je vais pas trop la décrire. Elle est jolie la carte. Et en fusion, je joue Violet Chimera et Venom. Pour le coup, c'est classique vu que je joue super poly. J'ai testé d'autres fusions, mais au final, les classiques ont marché. C'était bien mieux de jouer les classiques. Ah oui. Ah ben non, je l'ai pas oublié. Ah. Token. Tu vas le remplacer par le nouveau ou pas? Je vais le cumuler avec l'ancien. Ah. Ils vont se stacker. Du coup, maintenant, je vais montrer ma side deck. Ma side deck. Best card. Ah. La tech card. Feature match, je l'ai utilisé qu'une fois du tournoi, c'est pendant le feature. Ah ouais? Voilà. C'était le but de faire une MLG de plus. Non, en vérité, c'est en trap. En fait, tous les Thunder, j'ai réussi à les gagner à la loyale. Mais Thunder en temps normal, la réalité veut que en Thunder, ça jouait trop facilement autour de tous les entrapes du jeu. Et ce qui se passe, c'est qu'à la manche 3, s'il a gagné le dice roll, en théorie, il reste environ 20 minutes. Vous n'êtes pas censé gagner. Si le Thunder a une bonne main, vous n'êtes pas censé gagner. Même en avec lancé à Droll et Ogre, s'il a une grosse main. Je suis un peu dans l'excès, mais ça représente ça. Plus, les situations que je viens de dire, elles sont rares. C'est du stackage de probabilité. Et vous pourrissez votre main deck dans la situation où, s'il me laisse commencer, vous pouvez très bien commencer et perdre sur ça. Enfin, elle vous dit, je te laisse commencer. Alors qu'elle, c'est la seule entrape qui dit, elle toute seule, elle va bloquer tout le Thunder. Pourquoi? Si Thunder continue, chacun de ses plays, il va écrire sur la feuille ses points de vie qu'il va gagner. Du coup, ça va perdre quelques secondes. Bah, vous allez dire, c'est méchant. Mais c'est un peu la réalité. Et du coup, en fait, ça loupe. Un bon joueur l'a fait en 6 minutes. Il l'a fait environ en 10 minutes. Et vous êtes à 50 000 points de vie. Vous avez, ça veut dire plus de. Hein? 53 200. Pardon, 53 200. Oui, on l'a vraiment testé, sérieusement. Et ça vous permet de temporiser pas mal de tours. Surtout dans un main où vous jouez super polymérisation. Du coup, vous pouvez comeback ou. Vous pouvez tout simplement passer des tours, vous pouvez passer genre 5 tours, ça fait comme maxé, ça veut dire que vous avez pêché 5 cartes.
Donc ça veut dire que c'est le nouveau maxé et que t'as pas besoin d'avoir multiplan de trap pour gagner. C'est pour ça que je la joue d'un coup. Et quand il reste peu de temps, très peu de temps, Salam, la seule win condition c'était Paro, il y a trop d'entra, c'est implaçable. Bah vous avez Dog Wood qui peut vous assurer la win. C'est la règle du jeu, hein, c'est Konami qui veut ça. Il suffit de dire Kaina, Paro. Je l'admets, ça fait partie du jeu. Je joue avec maintenant. On parle. Et du coup, Oui? t'as pas joué Perrault, mais tu t'es jamais dit que si t'allais Jamais. gagner le Dice ou autre, t'allais Jamais. pouvoir sortir. Jamais, Ok. jamais, 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 jamais. Donc j'ai aucun regret. 3 lancers. Il n'y a aucune entrave qui bloque, mais elle est quand même cool lancer. Elle bat Orcus. Et en vrai, contre Thunder, elle, plus une autre entrave quelconque, ça ralentit la majorité des tours de jeu de Thunder quand même. Vous voyez, c'est juste, je vous ai dit, les gods sortis, ça se bloque vraiment pas. Mais la majorité se font bloquer par lancer à plus une autre entrave pendant le tour. Et aussi, s'il a choisi une prise de décision de play et que vous avez fantasmé. Regardez le futur. La foi artefact, c'est pour les Sanctum. Parce qu'en fait, c'est une win condition tout simplement. En fait, ça peut faire FTK contre Salamangred, entre guillemets. Et contre plein de match-up, ça permet de passer à la game suivante. On va dire le Sanctum, c'est un peu un ralenti. Jouer une Fusion Fire, ça par contre, c'est un regret. C'est. À la base, par rapport à l'argumentaire que j'ai dit tout à l'heure, c'est pour moi, c'est normal, on doit en jouer ou 2 ou 0. Mais j'avais pas la place en fait dans ma side, tout simplement. Et je voulais pas jouer que de Ghost Sister. Mais en soi, la carte, elle est forte en mirror match si on l'a hard draw. Et vu qu'il me restait une place de side, j'ai pu en mettre une. Mais je voulais en mettre deux de base, pour vous donner mon point de vue. Tu l'as utilisé du coup ou pas du Non, tout? jamais. Je l'ai jamais D'accord. utilisé. Je me suis battu sans. Et je m'en suis tapé un des mirrors à la fin. Mais bref. 3 Twin Twister. Franchement, j'hésitais à la mettre à 2 parce que je joue un Typhoon aussi. Je joue un Typhoon pour compléter les Ghost Ogre et les Out à multi-roll. Et les Twin Twister, c'est vraiment pour le méta call SS. Éventuellement Altergeist, mais je trouve que c'est déjà un bon match-up. Je voulais comme un minimum pour gérer Mystic Mind post-side. Et 4 Pet MP, je jugeais que c'était intéressant. C'est le même ratio que j'avais à l'Europe 2016 pour le parfum anti-magique. Du coup, je suis resté dans les mêmes stats. MST Negate. Et 3 Sanctuaires. J'hésitais à le jouer x2. Parce que, mine de rien, vu que le deck creuse beaucoup, ça va, ça reste honnête. Mais j'ai vraiment voulu, me suis dit, je veux focus le hard draw Sanctum et versus des matchups comme Orcus, quand t'es first, Sanctum peut se payer aussi lancer. Hein. Et te faire Thunder aussi d'ailleurs. Voilà pourquoi j'ai fait le choix d'en jouer 3, quitte à diminuer mon win rate en mirror match. Mais c'était très léger et c'était seulement sur du going second. Et vu que j'ai des super police, ça a compensé largement. Voilà. Voilà, donc on a fini pour le deck. Samir, as-tu des remerciements, de commentaires à faire ou autre? Bah, un autre commentaire, rien de spécial. À part sur ceux qui portent l'œil, porter plus l'œil, c'est pas bien. J'ai eu peur. Et je tiendrai à remercier toute la team qui m'ont permis là d'accéder à cette place. Sans eux, j'aurais jamais réussi. Ils m'ont fait réaliser des choses qui m'ont poussé à playtest énormément. Donc, je les remercie tous. Je remercie bien évidemment mes amis, ma famille. Et vive Wills qui m'a prêté les Ghost Sisters parce qu'elles sont pas à moi et j'en ai acheté 6 en allemand. Achetez-les-moi s'il vous plaît. See you later.